Oui. Petite question aussi. À un moment donné, les couvertures, ça part, non? Bien sûr que je vais le filmer, ça. Bien sûr que je vais le filmer. En fait, on s'est vraiment mal compris avec le Airbnb. Il faut que je parte maintenant. C'était pas prévu, ça. En fait, j'avais bien compris dès le début. Et lui m'a dit, mais non, en fait, tu restes jusqu'au 14. Et moi, je pensais que c'était le 14 le soir. Sauf que le 14, c'est pas le 14 le soir. Je dois partir aujourd'hui. Mais là, en fait, il y avait déjà des gens avant moi. Moi, je suis venu en mode tatac. Quand tu commandes, quand tu dis, oui, tu peux rester jusqu'au 14, ça veut dire que tu commandes la nuit. Et ça veut dire que là, il va falloir que je parte vite. Et je pense que je vais partir à Barcelone et je vais prendre une auberge de jeunesse à Barcelone. Ou là, on va se dépêcher de faire les affaires. Parce que voilà. Parce que sinon, sinon, je vais me faire chasser, quoi. Allez. Petit update sur les bananes, on peut maintenant les manger. Maintenant que c'est le dernier jour, je peux enfin les manger. On va aller dans un café, charger un peu tout ça et après on se revoit dès que je serai un peu moins chargé. Allez. Pour voir comment on va faire ce soir, parce que je sais toujours pas où je dors. Et je vais prendre là une petite Airbnb ou une auberge de jeunesse pour voir où est-ce que je vais dormir. Et surtout demain, je sais pas où est-ce que je vais. Normalement je vais dans la destination qui est prévue, mais je sais pas comment je vais y aller. Normalement c'est l'avion, mais je suis pas trop chaud de prendre l'avion là, j'aimerais bien pas prendre le train. Mais vu le prix, je crois que ça triple. Donc à mon avis, mes convictions écolo vont sauter. J'en suis pas très fier, mais si je veux faire ça tout l'été, ouais. Freestyle, hein, franchement, je sais pas du tout ce que je fais. Là, je vais à la gare parce qu'il me reste plus que 10% de batterie. Et là, on dirait pas dans le clip de Makeba, c'est dans le clip de Jane, là, mais je crois bon, là, en Afrique. Oui. Makeba. Ça, moi, faut que je pense là où je vais dormir aussi, t'as vu, mais là, je pensais à ça, parce que je serais moins le malin, je serais pas en train de faire oui, dès que je serais en train de... Dès que je serais dehors dans le froid, ouais, ça va, le froid, ça va. Bon, j'ai fait le choix d'aller à Madrid, j'ai plus de batterie sur ma caméra, et là, il y a tout le monde qui commence à s'installer, donc on se dit à plus tard et puis on verra si j'aurai trouvé quelque chose pour aller dormir. Allez, à toutes. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé? Parce que moi-même je sais pas. J'ai réussi à trouver une auberge de jeunesse au dernier moment et là je pense que je vais partir aujourd'hui si jamais je trouve un Blablacar ou un train. Parce que mes convictions écolo ont quand même pris le pas. Non, je plaisante, en fait c'est juste que j'ai pas trouvé de transport. Donc aujourd'hui on est samedi, toujours dans l'auberge de jeunesse en train de déjeuner. Et après on verra où est-ce qu'on va. Faut savoir que je n'ai toujours pas pris le logement. Enfin, vous vous doutez bien, si j'ai toujours pas pris mon transport, j'ai toujours pas pris mon auberge de jeunesse là-bas, ou là où je vais dormir. On est sur un freestyle, je crois que j'ai jamais fait aussi freestyle que comme ça. Pendant le Tour de France, j'étais très carré. Là, j'ai jamais été aussi freestyle que ça. Donc, comment on va faire? Je ne sais pas. Là, je suis en train de voir sur Blablacar comment on fait. Il y a des bus, il y a deux personnes qui vont, mais c'est complet. Donc, on se prend pas la tête, on verra. Déjà, je finis de déjeuner et après on va. Je crois que j'ai passé un cap dans le vlogging. Parce que vous savez, dégainer sa caméra alors qu'il y a tout le monde qui parle à quelqu'un, c'est pas franchement facile. Particulièrement au restaurant à Barcelone, enfin à Vic hier. Je me sens à l'aise avec moi. Et on essaie de déjeuner des choses saines. On retrouve la France partout un petit peu. Petite question aussi. À un moment donné, les couvertures, ça part, non? Comment ça va, vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Enfin, pour vous, ça fait 2 secondes, là. Hein. Mais il s'est passé 20 000 choses. Alors, je suis en train de protéger ma peau avec une collab Aven. Pas vrai, c'est pas du tout une collab. En tout cas, protégez votre peau si vous voulez pas être cramé. Je sais pas si vous avez vu, mais dans la vidéo de remerciement, là, merci à Gap, je me suis vraiment cramé la peau. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'il y avait un petit vent, etc. Je me suis dit, oh, ça va, le soleil n'était pas fort.
mes cuisses étaient rouges. Frottement du kimono après, bah voilà, je vous raconte pas. Un truc aussi que j'ai pas dit. Ah ouais. Ça y est, je suis protégé. Je pourrais même aller à la plage. Mais non, on va aller peut-être à la plage. Dans la destination. Il y a peut-être aussi un moyen que je retourne en France. C'est prévu parce qu'il y a des stages. Je vais faire des stages en France. Il y en a deux qui sont prévus. Donc des stages que... Il y en a un que j'ai déjà fait. Un qui... Ça va être la première fois qu'il va être fait. J'ai eu un petit coup de stress parce que j'ai cru que j'allais le rater. Hein. Mais en fait, il n'était pas à 15h, il était à 15h30. Donc ça va, on est cool, on est cool. Donc on mange et après, après le départ. Le départ pour Lisbonne. Je commence déjà à être cuit, alors que le voyage n'a même pas commencé. Je suis toujours à Madrid.